Quand je me suis lancé dans cette saga il y a 15 ans maintenant, je n'avais absolument pas l'intention de publier à la base ces ouvrages. C'était quelque chose qui était personnel, trop personnel. Je ne me sentais pas vraiment de le diffuser en public. Et puis avec le temps, ben, l'envie est venue et puis j'ai proposé donc mon manuscrit, le manuscrit du premier tome, L'Inquisiteur de Damien Hamur, à un éditeur Eddie Livre qui l'a accepté. Et de là a été lancée toute la saga et je me réserve à peu près un délai de 6 mois environ pour publier chaque ouvrage, histoire de les retravailler parce que tous existent déjà sous différentes formes, mais il faut les revoir, les réviser pour que tous ces épisodes, tous ces livres, en fait, forment un tout vraiment cohérent vu que toutes ces histoires ont été rédigées à des époques complètement différentes, donc avec un style différent. Je n'écris pas de la même manière aujourd'hui qu'à l'époque de mes 13 ans quand j'ai commencé à travailler sur le premier ouvrage. Et donc je savais donc depuis quelque temps que ça allait sortir, que l'Inquisiteur de Nami Amur allait être publié, mais il allait y avoir un délai de quelques mois entre le processus d'édition et la publication finale de l'ouvrage fini. Je me suis dit donc, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps? Comment tu vas promouvoir ton livre, puisque c'était ça vraiment l'enjeu? Eddie Livre proposait des services, mais payants et à des prix assez, enfin pas vraiment abordables. Donc je me suis dit, il va falloir le faire par toi-même. J'ai eu plusieurs idées. La première chose, la pierre angulaire, pierre fondatrice de cette promotion, ça allait être la page Facebook, où j'allais donc diffuser régulièrement l'actualité de cette saga. Une chaîne YouTube, où je pensais réaliser des vidéos, puis est venu plus tard Instagram, Snapchat, plus maintenant puisque j'en suis parti, et également Twitter. Et ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est vraiment donc la conception de ces vidéos. Ainsi, des mois avant la sortie du premier livre, je me suis lancé dans la réalisation environ d'une dizaine de vidéos thématiques où chaque vidéo allait aborder un thème de ma saga, tout simplement. Donc j'ai créé ce format. Une fois que donc la chaîne Facebook est sorti en même temps que le livre. Toutes les semaines, je proposais une vidéo thématique sur un élément particulier. La première, c'était l'introduction à l'Inquisiteur de Nami Amur, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et donc, j'abordais un petit peu ce que je faisais, tout simplement. Par la suite, j'ai vraiment développé des thèmes précis. Le rythme de sortie de ces vidéos, c'était une par semaine, généralement le week-end, le vendredi, le samedi, quand les gens ont un peu plus de temps pour aller sur Internet, se détendre, etc. Ces vidéos ont plutôt bien fonctionné au début, ça marchait bien, mais progressivement, voilà, les audiences ont baissé déjà premièrement, le format se répétait, était trop répétitif peut-être, le rythme un peu trop soutenu, un épisode par semaine, c'est pas forcément évident à suivre, surtout quand on travaille ou qu'on fait autre chose. Et même moi, j'avais des difficultés à tenir le rythme parce que même si j'avais une dizaine de vidéos d'avance, il me fallait quand même tout constamment calculer qu'est-ce que j'allais faire, quel thème j'allais aborder pour pas être répétitif et ça demandait un travail de montage important et de tournage également. Et souvent je n'étais pas satisfait de ce que je faisais donc je retournais plusieurs fois les vidéos. Il y a des vidéos que vous retrouvez sur YouTube que j'ai refaites peut-être 4 ou 5 fois pour certaines et encore aujourd'hui, ben, certaines ne me conviennent pas. Partant de là, ben, je me suis lassé et au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait changer cette formule. Et j'ai envisagé de tourner des vidéos à effets spéciaux sur fond vert. À la base, je n'étais pas très à l'aise avec ce procédé, puisque ça allait représenter un gros travail, puis j'étais complètement novice dans la technique. Donc j'ai commencé par faire des plans très simples en utilisant un logiciel, VSDC Free Editor, et en faisant des plans très basiques pour des petites annonces, des petites mises en scène très rapides. Et c'était en fait un exercice pour moi pour m'assurer qu'en fait j'étais capable de faire des vidéos complètes. Mais là encore, je voulais garder le concept de base, c'est-à-dire développer dans chaque vidéo un thème de ma saga, réaliser une sorte de reboot, mais proposer quelque chose de différent avec le fond vert. L'idée m'est venue que bien plus tard, en regardant sur YouTube ou ce que je regardais comme contenu, je me suis rendu compte que je suivais particulièrement certaines chaînes comme le Fossoyeur du film ou le Nexus 6. De là, ça m'a fait tilt et je me suis dit pourquoi ne pas faire comme eux, c'est-à-dire que par exemple le Fossoyeur de film va développer dans chacun de ses épisodes de sa série un aspect de genre cinématographique ou un film en particulier, et en même temps il y a un fil rouge, il y a des sortes d'intrigues qui se développent. On suit son personnage qui est le Fossoyeur qui vit des aventures. Et c'est la même chose pour le Nexus 6 également. On suit toute la ligne en fait, la ligne narrative de leur personnage tout en découvrant de nouvelles choses à chaque épisode. Le problème, ça allait être qu'est-ce que j'allais créer comme personnage et quelle menace j'allais affronter, quel décor j'allais explorer. C'est venu un peu plus tard et c'est venu de soi avec le thème du premier épisode qui allait être L'Enfant des Sept Lunes. L'Enfant des Sept Lunes, c'est un ouvrage de type space opéra, c'est-à-dire à la Star Wars, qui sortira l'année prochaine. C'est un préquel, une sorte de spin-off
à toute la saga de Nami Amur. C'est assez indépendant du reste, même s'il y a un lien évidemment qui se crée entre les deux. Dans le futur de la saga, les deux univers seront amenés d'ailleurs à se confronter. C'est pour ça que j'introduis ce livre maintenant. C'est pour préparer le terrain pour l'avenir, même si ce sera pour bien des années plus tard. Et comme c'est un livre qui se déroule dans l'espace, je me suis dit, pourquoi tu ne mettrais pas en scène, comme l'a fait le Nexus 6, les aventures d'un contrebandier de l'espace à qui il arrive toutes les merdes possibles et imaginables, un poissard comme je le suis. Donc c'est parti de là. Et ensuite, il fallait développer qu'est-ce que j'allais raconter, parce que c'était bien beau, voilà, de poursuivre toujours le même format, mais par rapport à ces histoires, qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais montrer, qu'est-ce que j'allais faire comme scène? Et puis j'ai eu l'idée, en fait, je me suis dit, essaye de rendre le format plus amusant, plus fun, plus divertissant, très référencé geek, puisque ça vient de là, vraiment, l'influence. Et donc insère dans ces épisodes donc des aventures, certes, tout en calant un maximum de références à tout ce qui t'a influencé pour ta saga littéraire. Par exemple, James Bond a été vraiment un élément déterminant dans la création de mes livres, puisque, en fait, chacun de mes ouvrages, dans la mesure du possible, les trois quarts, commence par une scène d'action. Ça vient des films James Bond. On retrouve des personnages masqués. Ça vient de mon amour pour les films de super-héros. On retrouve des créatures qui ressemblent à certains personnages emblématiques de certaines sagas, comme Star Wars, Jurassic Park, les Predators, etc. Toute cette culture des années 90-80, parfois plus ancien même, qui ont influencé et nourri mon imaginaire, le Seigneur des Anneaux, différentes sagas, les Gremlins aussi, Terminator, etc. Et j'ai pensé, autant faire voilà les aventures d'un personnage qui affronte à chaque épisode un de ses ennemis, un de ses personnages emblématiques. C'était une occasion aussi pour moi de m'amuser, puisque j'avais toujours réalisé, par exemple, de faire un film avec Batman, de faire un film dans un univers qui ressemble à celui de Star Wars, de combattre des personnages de Marvel, etc. Même si ça n'a pas de lien direct avec ma saga d'Heroic Fantasy, c'était pour moi une manière de m'amuser, de rendre la chose fun. J'ai pu faire aussi des références aux visiteurs. L'épisode dont on parle dans ce documentaire, d'ailleurs, est très référencé, notamment. Et c'est ainsi qu'a été lancé ce format. J'ai lancé le premier épisode, L'Enfant des 7 Lunes, qui a très bien marché. Ça a été ma vidéo la plus vue depuis le lancement de cette chaîne. Et après, ça s'est poursuivi. Il y a eu l'épisode 2, la guerre d'Azranil, puis le troisième, le plus long, qui était le Temple Noir. Et ainsi, chaque épisode a été conçu et réalisé de manière bien précise. Tout commence déjà par un processus naturellement d'écriture. La première étape, comme pour mes livres, c'est d'élaborer un plan, la structure narrative du récit, c'est-à-dire les différentes étapes, généralement trois actes. Même si au milieu de ces épisodes, il y a une partie où je développe donc à chaque fois un aspect de ma saga littéraire. Et l'idée, c'était vraiment d'obtenir un rythme qui soit très rapide, d'avoir des références qui donnent de suite le déclic, pour ceux qui connaissent, naturellement, mais des références que généralement la plupart des gens connaissent, ou alors caler des petites choses par-ci par-là dans le scénario qui fassent écho à certains amis, ou des petites références, des petites piques comme ça, sur différents éléments. L'épisode 3, le Temple Noir, a vraiment été un tournant, puisqu'à la base, ces vidéos, je les tournais seul, et puis j'ai rajouté des créatures en images de synthèse par la suite dans ces vidéos, qui prennent généralement un mois et demi à être réalisées entre le processus d'écriture et la sortie de l'épisode. Ça peut sembler court, mais en fait, ça représente un travail absolument titanesque. Et l'une de mes lignes directrices dans l'écriture de ces scénarios, eh bien, c'est simplement de faire référence maintenant à mes amis, c'est-à-dire que là, j'ai regroupé un casting de 6 personnes. Et j'ai vraiment adapté les rôles en fonction des personnalités. Kevin, par exemple, qui est un fan de James Bond, j'ai inclus James Bond. Agnès, qui adore Alice au Pays des Merveilles, son personnage fait penser à la reine dans Alice au Pays des Merveilles. Son nom, c'est Mama Oudi, donc qui est un surnom donné par un de nos amis en commun en Aveyron. Salut Julien. Et ensuite, on a Adrien, qui adorait le Terminator, donc il joue le Terminator. Valentin Anento était un fan de Blade Runner, donc il a joué Blade Runner, etc. Et en fait, c'est un processus créatif assez agréable, puisqu'à chaque fois, dans chaque nouvel épisode, j'essaie de tester de nouvelles choses, et le fait que maintenant des amis y participent, c'est encore plus valorisant, mais encore plus agréable à faire. Il faut savoir que chaque épisode a vraiment été réécrit parfois plusieurs fois. Le premier, notamment c'était les débuts, j'avais une première version, puis ça s'est adapté, ça a été modifié à partir du premier montage. La guerre d'Azrani, l'épisode 2, c'était pareil. C'est vraiment l'épisode 3, le Temple Noir, qui a été le plus réécrit. J'avais une première version qui était plutôt satisfaisante, mais la partie de comment j'allais aborder les différentes étapes qui m'ont amené à écrire cette saga et comment ça a évolué avec le temps a été considérablement remaniée. Il y a eu différentes versions. Et souvent, je retravaille mes films au montage.
C'est-à-dire que j'écris d'abord une première version, donc qui est l'écriture du scénario, le tournage, donc la concrétisation de cette version initiale, et ensuite le premier montage permet de voir s'il y a des choses à modifier, à corriger, de retourner des scènes parfois. Donc si vous regardez bien les épisodes, parfois j'ai pas exactement la même coupe de cheveux, puisqu'ils repoussent très vite. J'ai parfois pas toujours le même pantalon, bon ça c'est une erreur, un faux raccord, ça vous pourrez le remarquer en rejetant un œil attentif sur les vidéos. Pour l'épisode 4, il y a eu peu de versions en fait. Pour les chroniques du multiverse, je savais assez où ça allait être dirigé. Il y a juste quelques parties qui ont été rajoutées après coup, quelques répliques, et surtout la fin. À la base, on devait s'arrêter sur le spinner de l'agent K qui s'en va, et puis je me suis dit, il y a un personnage que j'aimerais beaucoup introduire dans ces vidéos, c'est Batman. Mais à quel moment l'inclure? À quel moment l'insérer dans ces montages? Et vu que Blade Runner, ça se déroule dans un univers urbain, c'était l'occasion de le faire, et j'ai longtemps pensé qui pourrait le jouer. Et je me suis dit, bah, t'es un fan de Batman, t'es le fan absolu de Batman, joue-le toi-même. Donc bah, pour la prochaine vidéo, vous aurez un combat entre Batman et l'agent K, le Blade Runner, avec le capitaine qui va se retrouver au milieu de ça. Et le thème de cet épisode 5, ce sera les justiciers. Puisque de nombreux héros parsèment la saga de Nami Amur. Sur ces 15 livres, on a différents personnages, pas vraiment des super-héros, on va dire, mais certains sont masqués notamment. Donc le thème reste approprié. Ensuite, il y a eu la phase de tournage qui a commencé avec Agnès. Sa partie était la plus compliquée à réaliser. Pas vraiment la plus longue, mais la plus difficile, puisqu'il allait falloir tourner ses scènes avec des personnages, donc moi qui jouais le capitaine et Kevin qui jouait James Bond, qui n'étaient pas là physiquement au moment de tournage. Disons que d'abord ses plans étaient tournés, puis environ quelques semaines plus tard, les plans de moi et de Kevin en train d'interagir avec elle. Il y avait notamment un plan qui, pas très compliqué à réaliser, mais qui paraît demander de la concentration, un plan où on est tous les trois ensemble, alors qu'en fait, nous n'avons jamais tourné ensemble. Agnès n'a jamais rencontré Kevin. Donc j'ai commencé à tourner une image avec Agnès seule, ensuite un plan avec Kevin et moi, et ensuite rassembler les deux images au montage. C'était un procédé que j'ai expérimenté, puisque dans la prochaine vidéo, ce sera développé encore une fois. Et on aura Batman qui affrontera le capitaine, où je jouerai les deux personnages. Un où je jouerai le capitaine avec la barbe, et l'autre où je serai Batman rasé, en Bruce Wayne. Donc un procédé intéressant aussi à explorer. Au début, c'est assez intimidant de se tourner seul devant un fond vert, puisque on n'imagine rien du monde qui nous entoure. Donc j'essayais de lui montrer des visuels, de lui expliquer un petit peu ce que je voulais. Et puis progressivement, ben, ça s'est super bien passé, on a bien rigolé, ben, comme vous allez le voir maintenant. Attends, attention, tu vas pas me tuer. Non. Que tu le gardes comme ça ou tu peux le garder droit? Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Ah oui, si, si, ça fait cool. Et là, en fait, tu restes stoïque. Là, c'est ton premier plan. Donc, tu es là comme ça. Et tu m'attends. Moi, j'arrive. Donc, il y a Kevin qui m'attrape, là, qui m'amène progressivement. Tu restes juste comme ça. Et moi, je t'inclurai au fond. C'est tout. Rien d'autre pour la première image. Hein. Il faut que j'ai un ton un peu. Voilà, c'est sévère, assez Comme méchant, ça? quoi. Il faut vous montrer que Mama Oudi ne rigole pas. Voilà, comme ça. Attends, attends. Un ton, Un ton assez sévère, tu assez vois? sévère, un ton assez sévère. Ne rigole pas. Attends. Allez. Mais dis pas, ne rigole pas, putain. On va se Attends. lancer. Pardon. Ça s'appelle une prise ratée, ça. Bravo, premier plan, tu t'es chié. On recommence, action! Action! Macarel, il fait chaud. Donc, en fait, dans le prochain passage, ben, tu demandes au sbire, en gros, qu'est-ce qu'il fout là, lui, tu dis, pourquoi m'as-tu ramené ce piètre bout de viande, quelle valeur a-t-il? Ouais, il va falloir se le retenir. Mais vous êtes complètement malade, Macarel! Comment avez-vous fait pour corrompre notre fidèle... Ah, putain! Échec! Non, non, il ne joue pas, Boob! Action! Action, reprends. Ça filme. Fais pas cette moue, c'est nickel. Ben si, justement, la moue, tu sais, genre, l'intelligence te plaît, quoi.
Attends. Tu continues à me filmer là? Oui. Ok! Pour quitter la planète. Oh, quick. On recommence. Vas-y. Bam. Si tu te chies, ça va mal aller. J'ai un couteau. Merde, j'avais pas anticipé ce problème. Go. Action. Le Blade Runner, l'agent K. La partie avec Kevin Cerdan était délicate puisque j'allais mettre en scène pour la première fois un combat à main nue dans ses vidéos. Donc là, cette fois, un combat avec vraiment une personne qui était physiquement là avec moi. C'était pas comme le combat avec Dark Vador à la fin de l'épisode 1, l'enfant des 7 lunes, où là, je faisais juste que tirer comme ça, piou piou piou, devant un Dark Vador en image de synthèse, ou quand j'affrontais Thanos, que je me contentais juste de me barrer. Là, vraiment, j'allais avoir une interaction physique. Donc, on a élaboré vite fait une petite chorégraphie, donc qui était très simple. Différents angles de caméra, il me fallait au moins un plan large, un plan vu de dos de moi et un plan de lui derrière de dos. Tout était filmé de façon très statique et tous les mouvements de caméra ont été rajoutés par la suite. On avait aussi un espace de tournage très limité, c'était juste une penderie avec le fond vert puisque je n'avais pas plus d'espace que cela. Et on a tourné ce combat donc avec de nombreuses prises. Ça nous a pris plusieurs heures pour tourner toutes ces séquences, qui avaient beaucoup de plans à prévoir. Et durant ces passages, j'ai utilisé un éclairage qui était un peu sombre. Donc il a fallu retravailler aussi un peu ces images en post-production, mais ça c'était ma faute. Et sa partie de tournage a été ouais, assez longue aussi à réaliser. Je vous montre maintenant les images, vous verrez là aussi on s'est bien marré. You Attends, j'avais pas filmé. Ah, You're dead, you're dead. you're dead, D'accord, mais je te ferai le signe. Donc on reprend. Ne ouais. bouge pas, garde l'air impassible. Voilà, on commence. Toi, you're dead. Classe. Toi, tu es ici. Tu restes seul d'abord dans le plan. Tu fais le geste de tout à l'heure, voilà, comme ça. Ouais. Et toujours ce regard froid et tyrannique, tu sais, t'es prêt à en découdre, t'es là pour botter des culs. Et puis tu bouges pas. Moi j'arrive comme ça, tu sais, Un peu trop sûr, un peu trop sûr. Et puis là, tu lèves les bras, tu me fous voilà, un coup par la gueule. Moi je recule un peu abasourdi. Et puis là, j'essaye de te frapper comme ça. Voilà, pas besoin qu'on peut faire ça. J'accélérerai un petit peu le rythme au montage et je rajouterai des sons. Oui, d'accord. À Pour tous donner les genres. l'impression que c'est vraiment. Exactement. Donc on fait quelques coups comme ça. Et puis au final, tu me donnes un coup par la gueule. Et puis on coupe là. Et D'accord. après, j'enchaînerai avec un gros Un plat. plan ou d'accord. Comme ça, un peu au ralenti, tu sais. Un peu. Oui, en mode punch out. Exactement. Allez, on préfère manger des Allez-y, vidéos. monsieur. Je vous en prie. Voyons voir, est-ce que tu es bien placé? Tourne-toi. Voilà, plutôt au profil. Plutôt profil, comme Ouais, ça. ok, Voilà. c'est là où je te vois arriver. Là, tu me vois arriver. Reste bien dans la ligne du fond vert. Donc, Ok, ne dépasse pas ce qu'il y a ici. ok, très bien. Surtout parce Ça reste très qu'après, bien. c'est la merde pour découper. Ça marche. Donc, voilà, c'est bien. Ne avance même un petit peu plus, très légèrement. Parfait, ne bouge plus là. Donc là, dès que je te fais le signe, en fait, Ouais, je connais. tu fais comme ça là, agressif. Ok. Moi, j'arrive, et là, hop. Voilà, je prends. On n'est pas trop synchro, mais tant pis, on va Ouais, essayer. on en fera plusieurs. On en fera plusieurs. Hein. 3, 2, 1, on y va. Ah non, là j'ai. Combat prise 2. Synchro, Non, j'ai pas une synchro. non, c'est bon aussi, je me suis raté un peu là. On recommence. On Bien droit va dans Bien droit dans les yeux là. C'était mieux. Allez, le coup de l'uppercut. 3, attends, à mon signal. 3, 2, 1, on y va. Plus comme ça, tu vois. Ouais, sur le côté. Voilà. Pardon, je t'ai fait mal là. Ça va. Je t'ai tapé, je t'ai pas Ouais, fait non, tout. mais au contraire, c'est bien. On essaye, tac, comme ça. Et là, on reprend cette position, Ouais. d'accord, comme ça. Mais tu es qui, toi?
Non, c'est pas prévu ça, mais bon. Ouais, c'était pour le final. Sauce tomate. Making of sauce tomate. Donc ce monsieur m'a pété la gueule. Donc il est temps d'user de la sauce tomate. Hop. Ouais, ça passe. À bouver. Allez, on se lance. Ah, c'était donc ton ami. Et j'ai oublié la réplique. C'était donc ton pote, et eh bien il n'a eu que ce qu'il voilà, méritait. Voilà, c'est ça. D'accord, oui. Oui, eh bien, excuse-moi, mais il n'a eu que ce qu'il méritait. Et toi, quel est donc ton... C'est ça, ouais, je me suis planté. Ah, c'était donc ton pote. Et eh bien, excuse-moi, il n'a eu que ce qu'il méritait. Et toi, quel est ton nom, camarade? Voilà, fais un essai. Mon nom est Bond. James Bond. Non, Milka! Tu as assez mangé aujourd'hui. Ce n'est pas un hobbit, putain. Ah, t'inquiète, on reprend. Donc, position départ, avec le flingue. Ouais. Position 1-2, voilà. Ouais. Donc là, tu remets le flingue. Non, Milka, tu as assez mangé aujourd'hui. Puis, ce n'est pas un hobbit, c'est un lotois. Tu le sais bien, leur chair est rugueuse. Parfait. Juste devant nous, tu vois, moi je la regarde et puis toi t'es derrière moi en train de me tenir toujours. Tu me tenais comment, comme ça, voilà. Dès que j'ai fini ma réplique, tu me fous un petit coup comme ça. Et vas-y, Franco. Ouais. Oh, bonjour. Ravi de vous rencontrer. Ah, doucement. Oh, excusez-moi. Tais-toi, infidèle. Tu es devant Mamoudi, grande reine de notre clan. Elle te pèlera le jonc comme au bailli du Limousin si tu continues à l'offenser. Vous êtes quand même sacrément barbare, vous en rendez compte? Quoi? Mais vous êtes sérieux? Est-ce qu'on ne pourrait pas agir comme des êtres civilisés? Je vous déteste, vous! Je vous déteste! Oh. À toi, Milka! En ce qui concerne Valentin Arnento, donc le Blade Runner, Valentin était très excité donc de tourner cette partie. Il interviendra d'ailleurs dans un double épisode prochainement. Nous allons tourner une histoire en deux parties, donc l'épisode 5 et l'épisode 6. Ça s'annonce particulièrement excitant. Il s'est acheté donc la veste, le pistolet donc du Blade Runner. On avait calculé donc à peu près ce qu'on voulait assez à l'avance. Comment on allait mettre en scène les plans. Notre approche était vraiment de faire une présentation qui soit assez succincte. Moi, j'avais tendance un petit peu à rajouter, de vouloir rajouter peut-être un peu trop d'idées, et Valentin a permis justement l'écriture de cette séquence de se resserrer, de présenter vraiment les idées fixes. Ainsi, le premier plan que l'on voit, on le voit de dos comme ça, devant toute la ville, seul, donc pour montrer un personnage qui est assez taciturne, assez solitaire, comme l'agent K de Blade Runner. Ensuite, on a ce deuxième plan où on le voit dans sa cuisine en train de nettoyer son pistolet. Donc on inclut l'idée que c'est un Blade Runner, que c'est quelqu'un qui chasse des personnes, quelqu'un qui peut user de la violence. Troisième plan, ensuite, on voit que c'est un enquêteur, il enquête sur Wayne Enterprise. Ce n'est pas dit explicitement dans la vidéo, mais on le comprend tout simplement. Et il a porté aussi quelques idées de mise en scène bienvenues. D'ailleurs, nous allons sûrement collaborer à l'écriture de l'épisode 5 et de l'épisode 6 ensemble. Donc c'était un contact très agréable. C'était la même chose aussi avec Agnès et Kevin. Les idées ne venaient pas forcément du scénario. On peut se permettre d'improviser aussi certains éléments. Pas trop non plus, puisqu'il faut quand même rester dans une structure. Ces vidéos, même si elles sont assez rapides à tourner, vu tous les effets spéciaux que ça demande, tout le cadre, que ça répond à certaines structures, et il faut quand même rester dans un cadre assez figé. Sinon, après, ça, c'est difficile à rattraper, où il y a des choses au montage qui ne collent pas. Et par rapport à Valentin, donc ça a pris pareil quelques heures à tourner. Et ce sera beaucoup plus long pour l'épisode 5, notamment puisqu'il y aura une séquence de combat avec Batman, que nous sommes d'ailleurs en train de préparer. Et ça s'annonce particulièrement excitant. Je vous montre les images. Yeah, oui. Regardez-moi ça comme il est badass. Par contre, le bruit, on va le changer, ça c'est clair. Vas-y. Hop. 3, 2, 1, on y va. Bien. Le truc, c'est que tu
tu restes juste ici comme ça, tu regardes en bas vers la ville, et à un moment, tu attends 3-4 secondes environ, peut-être, même 5 secondes, c'est, tu te tournes et tu reviens devant. Comme ça. Tu sais, tu te tournes et tu fais comme ça. Comme la dernière fois, je sais pas si tu t'en souviens. Allez, on va faire ça. On fait ça, donc en fait, tu nettoies le flingue avec le petit torchon, puis après tu te tournes vers moi, vers la caméra, et puis garde un air vraiment taciturne, sombre, pour montrer à quel point le personnage est assez solitaire. Voilà, comme ça, le regard un peu badass et dark. Premier plan donc ici, deuxième plan donc de derrière le dos, et le troisième, ben, tu te tournes, tu regardes l'écran avec ma photo, et puis à la fin, ben, tu peux te lever, et puis là... Mais on le fait plusieurs fois ça, ou un plan séquence? Non, plusieurs fois. Okay. Plan séquence, ça va être chaud. Merde. Vas-y. Non, mais vas-y, t'inquiète, je filme. C'est chiant parce qu'il faudrait les agrafer. Je peux pas... Tu vois, ah oui, pardon, j'ai oublié les agrafer, ouais. Juste celui-là, ça serait bien. Tu vois? Ouais, pas de soucis. Voilà, là. C'est la merde! Là, c'est le bordel, ouais, je sais. Il me faut pas le bordel dans les. Cherche-moi une agrafesse, putain! Par contre, le flingue, tu veux le mettre où? Est-ce qu'on le cale là? Faut pas que ça t'encombre. Bah, je vais poser mon dossier, donc il faudrait qu'il soit. Là, tu fais juste que les feuilleter au début. Ouais, tu sais. Et je vais le poser, non? Tu vas me filmer en train de le poser. Ouais, et puis après, voilà. Ok, donc du coup, on va pas foutre le flingue dessus, sur l'autre. Lequel tu poses Alors, Tyrell, c'est ta boîte. Toi, tu es. Oui, c'est plus ça. C'est plus Wayne Enterprise. Hein, tu enquêtes sur Batman. Et puis là, on fera le plan ici. Ben, ça pourrait être synchronisé, tu sais, au même moment où tu poses le truc. Tac. Comme ça, tu vois. Ouais. On peut essayer. On verra. On fait ça. Ouais, garde-le en vue. 3, 2, 1, on y va. Merde. Ah. Juste droit, comme ça. Là. Tu peux arrêter de filmer? Non. Merci. Merci. Voici le dernier plan de Monsieur Anento. Nous avons galéré tout pendant des heures. Il est tout endolori. Il souffre. Rappelle-toi qu'on a une trilogie à tourner. Hein. Allez, donc ben là, tu as juste à rester de dos et puis c'est tout. Là, direct, ici, là, tu vois. Directement comme ça. Juste de mais il faut que je sois assis. Bon, pas besoin. Tu vois, je te filme juste comme ça, de dos, et moi, je rajouterai ben, le siège derrière toi. Voilà. Donc, je te filme. Tu peux tourner la tête, tu sais, tu regardes la ville autour de toi. Même au-dessus, tu vois, tu regardes en haut. Regarde à droite. À gauche. Alors, pour ce qui concerne les autres personnes, donc il y a eu Céline Dumont qui joue le rôle d'April O'Neill, la journaliste. Donc c'est un caméo, mais je souhaitais que... Là, pareil, c'était une idée de Valentin, plutôt que de montrer juste Valentin en train de regarder une photo de moi et de se dire, lui, il faut que j'aille l'arrêter. On s'est dit, on pourrait rajouter quelqu'un d'autre, ça rajouterait encore un petit plus. Et d'introduire l'univers de Batman, puisque la journaliste va dire bonsoir Gotham ou Gothamien, etc. Donc ça allait apporter un petit sel supplémentaire, une idée supplémentaire. Son rôle est très simple, très très court, mais quand même non négligeable. Quant à Laurent Saint-Janet, qui joue Alfred Pennyworth, pareil, vu que Laurent n'est pas... on se voit moins maintenant, il n'est plus à Toulouse, on n'est plus dans les environs. Eh bien, j'avais proposé de faire un caméo vocal d'Alfred, puisque on est fans tous les deux de Batman, en fait, on s'appelle Maître Wayne, etc. Et j'ai pensé au jeu d'Arkham, Arkham Knight notamment, où Batman parle comme ça à voix haute, et puis on a Alfred via Batcave qui lui parle via un émetteur radio. On le retrouvera d'ailleurs aussi encore dans l'épisode 5, puisque Batman revient comme je l'avais dit.
Et ensuite, Adrien, eh bien, j'ai simplement repris des images en fait, de les tourner pour l'épisode 3 pour le prologue, puisque le Terminator n'allait pas avoir un énorme rôle. Pendant quelque temps, j'avais envisagé de le faire intervenir dans une séquence d'action, mais finalement, j'ai pensé autant rentrer directement dans le vif du sujet, faire intervenir James Bond, le combat et tout le reste. Je voulais un rythme qui soit le plus rapide possible. Voilà, donc tous ces acteurs ont contribué à créer cette petite troupe, a contribué à créer ce film, cette vidéo qui a été un véritable plaisir à réaliser. Et j'espère que voilà, si d'autres gens qui regardent cette vidéo veulent participer, ce sera vraiment avec plaisir. Comme d'habitude pour ces vidéos, la phase de montage et de post-production a débuté dès que j'ai commencé à voir quelques images. Les premières séquences qui ont été tournées, c'est celle donc avec Agnès, et même si je n'avais pas encore les plans de Kevin, du combat avec Kevin, etc., j'avais commencé à truquer ces images. Je voulais prendre de l'avance parce que c'est vraiment un travail colossal, et puis c'est plus facile vraiment de travailler ces séquences petit à petit que d'essayer de faire des gros blocs directement, ou même de se lancer directement dans le montage de l'ensemble. Ça, segmenter un peu les tâches permet de mieux, d'être plus efficace par la suite. Ainsi, quand Kevin est venu tourner ses séquences, j'avais déjà les plans terminés d'Agnès qui étaient terminés. Quand Valentin s'est présenté à la maison pour le tournage, les arrière-plans étaient déjà prêts, donc on pouvait déjà avoir une première idée de ce que allait donner le résultat final, même pour la direction d'acteur, entre guillemets. Voilà, c'était plus simple d'avoir des visuels déjà constitués, pour amener ces personnes à justement se visualiser l'univers dans lequel allaient se dérouler ces vidéos. Mais ma partie à moi, ça a été là, donc où je suis le capitaine, où j'interagis. La plupart de mes plans ont été tournés après, à part les moments où je discute avec les personnages, évidemment. Mais toute la partie où je décris le multiverse de la saga de Nami Amur, même la fin où je joue Batman et tout ça a été vraiment réalisé en fin de tournage. Je voulais d'abord avoir les images des autres personnes pour commencer à construire le montage, puis après rajouter certains éléments, certains plans, certains inserts du combat par exemple ont été réalisés après. La séquence que l'on a dans la caverne de la reine Mamaoudi, ce temple immense, a été pour la plupart constituée en deux parties, d'abord les images d'Agnès, ensuite les images de Kevin, puis quelques plans d'inserts que j'ai rajoutés par la fin. Mais le tout, déjà, il y avait déjà une structure, une ossature quand j'avais commencé le tournage. Les effets spéciaux de cette vidéo ont été particulièrement difficiles à réaliser, peut-être même plus que les trois premiers épisodes, parce qu'il y avait beaucoup d'environnements à gérer, il y avait beaucoup d'effets particuliers à faire. Il fallait créer une ville pour le Blade Runner, l'environnement. La cave de Mamaoudi, c'est le décor de Game of Thrones, là aussi référence, puisque personnage qui coupe la tête, une petite référence donc au décor de Game of Thrones où on a les 100 visages de cette secte qui justement tranche des têtes et récupère les visages de ses victimes. Ensuite, il y avait le vaisseau du Terminator, il y avait la Aston Martin de James Bond, il y avait différents environnements à créer, et ça a été assez long aussi à constituer et à réaliser. Sachant que quasiment tous les plans du film ont été truqués, même tous les plans du film ont été truqués en fait. Il n'y a pas une image qui soit complètement réelle, c'est juste des personnes filmées sur un fond vert, et il faut vous imaginer que tout ce qui existe derrière, tout l'environnement, le moindre son et tout ça, doit être soit créé, soit intégré. C'est un travail donc qui est particulièrement colossal. Chaque plan subit un traitement vraiment défini. D'abord, il faut découper l'image, ensuite la truquer, l'intégrer dans le montage, l'ajuster, rajouter des mouvements de caméra puisque tout est fixe, et les séquences se construisent comme ça, petit à petit, mais c'est un imposant travail. Nous allons d'ailleurs en voir un exemple maintenant. Alors, ma façon de procéder, j'ai mon ordinateur avec toutes mes images qui ont été mises dessus via la carte SD. Maintenant, il va falloir que je passe par plusieurs traitements de logiciels pour finaliser ces images qui sont également projetées en même temps sur mon écran de télévision. À partir de là, je vais pouvoir avoir une analyse un peu plus fine de l'image, qu'est-ce qu'il faut effacer au niveau du fond vert, qu'est-ce qu'il faut incruster,
Et puis ça va être un travail, je pense, assez sympa. Donc voici le logiciel VSDC Free Editor qui me permet d'assembler tous les épisodes des chroniques. Alors chaque plan subit un traitement spécifique. D'abord, je prends l'image d'origine donc, que l'on trouve ici, qui a été tournée sur fond vert. Dans ce cas-là, ben, c'est un plan, le plan final de la vidéo avec Batman, que j'ai découpé en fonction de la partie que je souhaitais garder sur Windows Movie Maker. Et ensuite, je l'ai incrusté dans ce logiciel VSDC Free Editor. La première chose à faire donc avec le logiciel, avec ce logiciel d'effets spéciaux, c'est de juste détourer la partie qui va être conservée à l'assemblage. Par exemple, vous voyez là, ici on voit le climatiseur qui m'a permis de faire voler un petit peu la cape, mais tout le reste de l'image, donc le reste de mon appartement, on ne veut pas que ça figure naturellement à l'image. Donc j'ai demandé au logiciel de me conserver juste cette section. Après, la deuxième étape, ça va être d'effacer le fond vert. Donc ici, j'ai inséré plusieurs lignes de cache en fait pour que on ne voit plus aucune partie verte. J'ai également rajouté des effets de luminosité sur cette image pour la rendre un peu plus sombre. Un effet également un peu plus bleuté pour que ça s'accorde avec l'arrière-plan. Et donc mon travail, dès qu'une fois que tous ces effets sont rajoutés, c'est de bien vérifier qu'il y ait un maximum de vert qui soit supprimé. Alors vu que c'est pas un logiciel non plus très professionnel, j'en ai effacé un maximum. Parfois, pour certains plans, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut être très vigilant à l'éclairage au moment du tournage. Mais pour ce plan, ça a plutôt bien fonctionné, malgré qu'il y avait des éléments qui bougeaient à l'avant-plan. Voilà, donc première étape, donc le détourage du plan d'origine, le clip d'origine qu'on a ici. Ensuite, il faut intégrer l'arrière-plan que vous avez ici, donc un décor de Gotham, un décor de ville que j'ai trouvé sur Internet, sur lequel j'ai rajouté plusieurs effets. Dans ce cas-là, un effet de fumée, de brouillard, que je rajoute souvent parce que ça apporte souvent de la profondeur à l'arrière-plan. J'ai retravaillé également la luminosité pour accorder l'ensemble des éléments du plan. Ensuite ici, entre l'arrière-plan et le premier plan, on va avoir un élément qui va s'intercaler entre les deux, donc un élément fondateur de la mythologie de Batman, qui fait un caméo donc dans cette vidéo, ça va être le Batplane. Donc j'ai repris cette image en fait, qui est le Batplane de la série animée de la série de 92, donc un de mes dessins animés préférés, peut-être même mon dessin animé préféré. Alors, il faut réaliser une animation par rapport à cette image. Donc ce que j'ai fait, vous voyez ce trait en fait, c'est un trait de direction, c'est-à-dire que l'image en fait part de cette zone-là, donc il ne se figure pas dans l'image au premier abord, puis cette flèche lui dit de progressivement monter vers le haut du plan. Donc j'ai défini ensuite une certaine vitesse pour que ça ne monte pas trop vite ni trop lentement. Donc il a fallu que je l'accorde également avec la musique qui s'intercale pour cette image particulière. Une fois que ce plan est terminé, donc là on a tous les éléments qui sont placés, je vérifie en fait que tout s'accorde bien, donc j'enregistre le projet, je visionne le plan, j'y rajoute différents effets de mouvement de caméra, dans ce cas-là on aura juste un effet de travelling très léger, puis ensuite il faut faire une première version donc avec les effets sonores, donc dans ce cas-là on a la ville, on a la cape de Batman qui vole au vent. Donc il faut effacer le bruit du ventilateur en arrière-plan, rajouter un autre son, ensuite le son du Batplane qui remonte. Une fois que c'est réalisé cette première version, je réalise une deuxième version avec le montage final, donc la musique. Et une fois que cette séquence est terminée, elle peut rejoindre les autres séquences des chroniques de Nami Amur. Voilà, ça vous donne juste l'idée de ce qu'il faut pour réaliser juste un plan d'une séquence. Et évidemment, imaginez un petit peu ce que ça représente comme travail quand vous avez 25 minutes d'image, avec parfois des éclairages qui ne sont pas évidemment parfaits. Comme par exemple pour la séquence de combat que j'ai avec Kevin Cerdan, qui joue James Bond, j'avais un éclairage qui était beaucoup trop sombre, il a fallu retravailler avec ce logiciel également, donc ici je peux le faire grâce à différents services d'étalonnage, de la colorimétrie. Il a fallu vraiment retravailler chaque image pour retravailler l'éclairage et procéder à une nouvelle incrustation, puis après revenir à l'incrustation d'origine, à l'éclairage d'origine plutôt. Donc c'est un très gros travail, ces vidéos à réaliser, toujours très plaisant à faire, c'est ma passion de gosse depuis longtemps, mais voilà, ça demande un investissement total et beaucoup de temps pour parvenir à des résultats.
Étonnamment, à l'inverse des livres où vraiment j'ai, vu que je travaille dessus depuis 15 ans, j'ai une structure bien définie, je sais exactement où vont les 15 livres et ce que chaque livre va apporter à l'ensemble de la structure, les épisodes des Chroniques de Néa Myamur sont plus improvisés, c'est-à-dire que quand je me lance dans l'écriture du scénario, c'est vraiment là que je réfléchis à quoi ça va parler. Là, actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, je sais à peu près qu'est-ce que va être l'épisode 5, mais les détails ne sont pas clairement définis. Même chose pour l'épisode 6, il y a juste quelques idées, mais où va aller l'histoire? Ça encore, c'est vraiment, vraiment selon l'envie du moment. Batman n'était pas prévu. Même là, dans le dernier épisode, j'avais pas pensé utiliser le Predator à ce point, ou même le Terminator aurait dû peut-être avoir un rôle plus important dans l'épisode 4. Donc c'est un processus évolutif en fonction aussi maintenant des gens qui y participent et des envies du moment. Là, donc Batman, mais là il y a d'autres projets. Il y a l'envie de faire des références à Starship Trooper, à Dune, à des piliers de la science-fiction, vraiment. Et tout ça se construit naturellement selon l'envie. Bien sûr, il ne faut pas se lancer dans un tournage avant de savoir vraiment ce que vous voulez, sinon après, c'est le bazar pour vraiment rattraper les choses. Je l'ai ressenti vraiment, surtout sur l'épisode 2, qui était un épisode plus chaotique à réaliser. Je m'étais bien préparé, mais j'ai changé des choses, j'ai modifié des trucs au fur et à mesure, et finalement, ça a été compliqué à rattraper. Il y a plein d'images qui ont été coupées, notamment. Bon, je ne les ai pas montées, mais il existe beaucoup de scènes coupées pour l'épisode 2. L'épisode 3, ça a vraiment été retravaillé au montage. L'épisode 4 était assez bien défini, quelques modifications, comme je les ai évoquées, mais c'est resté tel quel. Pour les prochains épisodes, je veux vraiment savoir où ça va aller au moment de l'écriture, pour ainsi qu'il n'y ait pas de temps perdu, de matière qui soit perdue, que tout ce qui soit filmé soit vraiment utilisé. Mais ça, ben, on verra comment ça va se passer. Je garde vraiment un excellent souvenir de ma collaboration avec tous ces amis. Ça a vraiment été une expérience collaborative très intéressante et j'ai remercié tous. J'en profite de ce petit making-of pour leur dire à tous encore un grand merci pour votre participation. Vous avez tous et toutes été géniaux. Et voilà, je fais un appel à candidature. Si des gens sont intéressés pour venir tourner ici, ce sera vraiment avec plaisir. Je vous trouverai une petite place. Ciao! La marche des vertueux est semée d'obstacles, qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté, qui au nom de la charité se fait le berger des faibles, qui guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.